Salut tout le monde, ici Sophie, activatrice de Communauté pour la planète, et avec ma puce à l'oreille, je vous partage ma vision du monde, mes réflexions, mes expériences, et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leurs rêves une réalité. Et aujourd'hui, je vous parle d'un sujet d'actualité qui est le conflit ou la guerre, ou plutôt la paix. Puisque c'est quelque chose, quand je parle de ma vision d'activation de communauté pour la planète, pour moi, pour pouvoir avoir des communautés qui prennent soin de la Terre, il faut aussi savoir prendre soin des uns des autres, puisque tout est relié. Si on ne prend pas soin des uns des autres, on ne peut pas savoir comment prendre soin de la Terre autour de nous. Si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas savoir comment prendre soin de la Terre et des autres autour de nous. Donc ça commence déjà par prendre soin de soi, et ensuite prendre soin des autres, et prendre soin de la nature. Et d'en prendre soin des autres, il y a respecter les différences, respecter les uns les autres, vivre en paix malgré le fait qu'il y ait des conflits. On peut avoir des conflits, mais on peut avoir des conflits tout en respectant les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, tout en respectant leur intégrité physique, tout en respectant le fait qu'ils existent avec une diversité de points de vue. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'informations en ce moment sur des guerres et des conflits. Alors même s'il y a toujours eu des guerres et des conflits jusqu'à présent, pour moi c'est quelque chose qui doit se terminer. Maintenant c'est terminé, les guerres ça suffit, on n'en veut plus. Je dis stop, je dis non aux guerres. Et juste le fait d'ancrer cette volonté de refuser qu'il y ait des guerres, plus on est nombreux à dire non à la guerre et oui au respect des uns des autres malgré les différences, moins il y a d'énergie qui soutiennent ces guerres. Et pour moi ça c'est important. Et c'est la base pour pouvoir construire une société qui soit plus en harmonie avec son environnement. Donc les guerres dont on entend beaucoup parler en ce moment, par exemple la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, avec Israël et Gaza, au Moyen-Orient, c'est des guerres qui sont très visibles en ce moment dans nos médias, mais il y a aussi d'autres guerres qui existent et dont on n'entend pas parler en ce moment, qui sont beaucoup moins visibles. Mais déjà, ces deux guerres sont très très relayées par les médias et pour moi, c'est difficile de savoir quoi croire, qui croire, parce que les médias, c'est des offices de propagande pour un camp ou pour l'autre. Et donc, c'est très difficile de savoir ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. J'ai du mal à croire ce que je vois. Par contre, c'est vrai que même si je ne regarde pas spécifiquement les informations, il y a des informations sur ces conflits qui viennent jusqu'à moi, qui viennent dans ma conscience, qui viennent dans ma réalité. Et jusqu'à présent, je repoussais ces informations pour me concentrer sur le monde que j'avais envie de construire et pour avoir une vision plus constructive de ce que je voulais faire de ce monde. Et du coup, de ne pas concentrer mon énergie et mon attention sur des conflits, sur des guerres, sur des choses négatives qui m'apportent des émotions négatives, etc. Donc j'avais tendance plutôt à mettre de côté le sujet. Et récemment, je change un peu d'opinion parce que je me dis, oui, cette réalité, elle existe, mais elle existe loin de moi. Et je ne suis pas directement concernée. Moi, je n'ai pas de connexion avec le peuple juif, directement en tout cas. Je n'ai pas de connexion avec le peuple palestinien. Je ne connais personne qui habite en Israël ou à Gaza ou en Palestine. En tout cas, pas directement. Et dans mon entourage non plus, de personnes qui sont reliées à ces territoires. J'ai des amis qui sont juifs, des amis qui sont arabes, mais qui ne sont pas directement concernés par... en tout cas, pas directement reliés... à travers la famille ou les amis avec ces territoires. Donc c'est un conflit qui est très éloigné de moi. Mais puisqu'il existe et qu'il est présent dans une réalité éloignée, et qu'il est présent dans ma conscience, le fait de refuser de le regarder, le fait de refuser de m'en occuper, c'est un peu comme si j'acceptais ce qui se passait et que je laissais faire. Alors que je pourrais opter pour autre chose, une autre façon de voir le conflit, les conflits qui sont en cours, c'est de les regarder et déjà d'ancrer mon non, de dire non, c'est pas acceptable, et d'exprimer ce non, de dire que voilà, je refuse qu'il y ait ce genre de pratiques qui soient faites, je refuse qu'il y ait des guerres, je refuse qu'il y ait des conflits qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la vie des gens qui vivent sur des territoires et qui sont bombardés au quotidien, ou à la vie aux créations humaines qui sont sur ces territoires, mais aussi à la vie autre que humaine qui est sur ces territoires, la vie animale, la nature, etc., qui sont aussi impactées par ce genre de situation. Et le fait de dire ça, cette énergie de dire non, c'est déjà réagir par rapport à cette situation et mettre ses limites et ne pas laisser faire
ne pas laisser cette réalité vivre dans un coin en arrière-plan et grandir et me dire que bah, j'aurais été finalement responsable parce que je n'aurais rien fait. Donc déjà, la première chose qu'on peut faire tout un chacun, c'est de dire non et d'exprimer ce non, de dire c'est pas normal, il faut que ça s'arrête. Et plus il y a d'êtres qui activent ce non, plus la conscience collective est remplie de non et moins il y a d'énergie qui nourrissent ces guerres. Parce qu'on attend de nous, en voyant les médias, je vois bien que, comme mes expériences passées, où je travaillais pour des industries, l'industrie, même si c'était une belle industrie, l'industrie de l'environnement, mais en fait, s'il n'y a pas de déchets, il n'y a pas d'entreprise pour gérer les déchets. Pas besoin d'entreprise pour gérer les déchets, donc il faut qu'il y ait des déchets. Donc il y a quand même ce paradoxe, en fait, de ces industries qui ont besoin d'un marché pour exister, qui ont besoin de faire du chiffre d'affaires, qui ont besoin de faire du profit pour payer les actionnaires, pour payer les salariés à la fin du mois, pour continuer d'exister. Et s'il n'y a pas de marché, ben, il n'y a pas d'industrie. Donc il faut qu'il y ait un marché. Et s'il n'y a pas de guerre, ben, il n'y a pas d'industrie de la guerre, il n'y a pas d'industrie de l'armement, il n'y a pas de ce type d'industrie. Donc il faut créer des marchés, il faut créer des guerres. C'est bon la guerre pour ces industries. Et donc... comment on fait pour créer ces marchés ? Ben, y a les relations publiques, le marketing, la propagande, en utilisant tous les moyens de communication pour faire accepter à la population le fait de faire telle ou telle guerre, de soutenir la guerre pour qu'elle puisse continuer, pour qu'ils puissent continuer de vendre des choses. Moi, je le vois de ce point de vue-là. Il y a peut-être plein d'autres critères et éléments qui font que les guerres existent et qui font que les guerres, elles continuent. Des éléments plus idéologiques, politiques, on peut aller loin, on peut gratter loin, mais on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Mais moi, certainement, je vois... ce côté, eh bien, ces guerres sont encouragées puisque c'est bon pour un certain type de business et même pour des agendas politiques. Et donc, pour que ces agendas politiques existent et que ce business existe, il faut que la population accepte. Et si on nous envoie des images dans nos canaux médiatiques de populations qui souffrent d'un côté ou de l'autre, ça va nous faire réagir, ça va nous faire... peut-être bah, soutenir un camp ou un autre, et ça encourage la guerre. Donc en aucun cas, moi je veux soutenir un camp ou un autre, en aucun cas, parce que si tu soutiens un camp ou un autre, tu soutiens la guerre. Donc je ne veux pas soutenir un camp ou un autre. Je refuse que la vie, l'intégrité de la vie soit mise en question. Je refuse qu'il y ait des personnes qui soient... c'est inacceptable pour moi que des personnes, des enfants soient tués sous des bombes, c'est inacceptable. Que pour n'importe quelle raison que ce soit, il n'y a aucune raison qui justifie ça. C'est inacceptable que des populations entières soient déplacées, que leur territoire soit nettoyé pour installer une nouvelle colonie d'un autre pays. C'est inacceptable parce que c'est porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, à son espace intérieur, à son espace personnel, contre leur volonté, c'est pas normal. Donc non. C'est inacceptable de voir qu'il y a des personnes qui écrivent leurs noms sur des bombes pour pouvoir bombarder leur ennemi du territoire d'à côté. Ça, c'est pas acceptable pour moi. C'est inacceptable que des personnes créent une chanson collective pour tout un pays pour célébrer la mort des voisins et des enfants et qu'ils soient morts dans la souffrance. C'est pas cohérent, c'est des choses que j'ai vues passer. Après, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Moi, c'est des choses qui m'ont fait réagir et c'est des choses auxquelles je dis non. Et je veux statuer sur mon non. C'est un non ferme et définitif. Je ne veux pas que cette réalité continue d'exister. Après, j'ai conscience que les personnes qui souffrent, les personnes qui sont dans des situations de conflit, de guerre, c'est dur pour elles. Ça doit être certainement très dur. Maintenant, c'est une épreuve que ces êtres vivent, qui sont là, soit qui vont nous aider, nous, en tout cas, à établir ce nom et à établir ses limites et établir ce qui est moral, ce qui n'est pas moral, et qui vont nous aider à grandir, en fait, en voyant ce qui se passe en tant qu'observateurs. Peut-être qu'eux aussi ont des choses à apprendre dans ce conflit. Par exemple, je vois bien que, effectivement, ce qui se passe en Israël et à Gaza, il y a une notion de colonialisme, une notion de ne pas accepter l'autre, de vouloir l'éradiquer, de vouloir presque un génocide. Donc, c'est quelque chose que la population juive, en tout cas les ancêtres de ces personnes, ont subi. C'est un trauma générationnel qui est en eux, qui est engrammé dans leur ADN.
Et donc ce trauma, on sait que les traumas sont transmis comme ça de génération en génération. Donc on sait aussi que, on voit aussi que quand quelqu'un a été blessé, il a tendance à récupérer cette blessure et ce trauma et à l'appliquer lui à son tour à quelqu'un d'autre. On dit en anglais hurt people hurt. Donc c'est les gens qui ont été blessés blessent d'autres personnes. Et si on ne soigne pas ce trauma, on reproduit ce trauma. Et donc, la mission de ces peuples juifs et de ces personnes qui ont des ancêtres qui ont vécu ces choses difficiles que le peuple juif a vécu par le passé, leur devoir, c'est de guérir ce trauma. Et ce trauma, il ne se guérit pas par plus de guerre, il se guérit par plus d'amour, par plus de soins à l'autre, par plus d'ouverture à l'autre, par plus d'accueil de la différence. Et même si c'est difficile à dire, et c'est hyper important. On ne peut pas aller vers le chemin de la vengeance, il faut aller vers le chemin de l'amour. Et pour ça, voilà, ça part de là-bas, mais ça part aussi de nous. Nous aussi, on peut voir ce qui est réagi en nous par rapport au conflit. On peut voir ce que ça réveille en nous, ce conflit de la non-acceptation de l'autre, de la non-acceptation de. Des différences, du fait de vouloir éradiquer quelqu'un qui pense ou qui vit d'une manière différente de la nôtre, etc., etc. Et on a ce genre de choses à l'intérieur de nous qui sont peut-être plus minimes, mais qui sont là. Et donc on a un peu ce rôle aussi, ce devoir de soigner ça en nous, de trouver ce qui résonne en nous par rapport au conflit, et de le soigner, et de nous offrir de l'amour par rapport à ça, et de la tolérance de nous-mêmes par rapport à ça. Et donc voilà pour ce partage un peu spécial sur la paix et le respect des uns des autres, le soin à l'autre. Et j'espère que ça vous a donné envie de vous travailler aussi sur ce sujet intérieurement, pour pouvoir limiter les dégâts et la souffrance de ce genre de conflit, et limiter son étendue, et raccourcir au maximum son temps d'existence pour que on puisse passer à un monde d'harmonie et de soins aux uns aux autres, et de soins à la nature. Et je vous invite à partager vos idées, vous aussi, à comment est-ce qu'on peut réagir face à ce genre de conflit, déjà à notre propre niveau, au niveau intérieur, et aussi est-ce que vous avez des petites actions qui peuvent être mises en place qui permettent de soutenir cette idée de refuser les guerres et de ne pas soutenir un camp ou un autre, mais de soutenir la vie. Si vous avez des idées par rapport à ça, je vous invite à me les partager. Et mettez un pouce ou abonnez-vous si vous voulez suivre les prochains partages. Merci, à la prochaine!